le noyau central, plus important, comprend escalator et ascenseur, tandis que les quatre autres abritent les escaliers. Comme on peut le voir sur le plan du deuxième étage, la liaison de ces cinq nœuds dessine un premier réseau de communication. Ce système en forme de croix regroupe les espaces communs, hall de réception, toilettes, cafétéria. Il permet depuis ces quatre branches de distribuer chacun des cadrans. Le réseau se ramifie ainsi en un véritable maillage. La circulation se fluidifie depuis le centre du bâtiment jusqu'aux unités de base et se termine à l'extérieur par des toitures terrasses. Cette logique de retrait étage par étage est responsable de la forme pyramidale de l'ensemble. On observe à quel point les principes d'organisation interne déterminent la silhouette générale du bâtiment. Le profil extérieur paraît résulter de l'arrêt de la structure. Le vitrage vient simplement s'apposer devant les nombreux vides. Des interstices vitrés assurent à la fois l'articulation des cellules et la pénétration de la lumière jusqu'au centre du bâtiment. À l'intérieur, de larges puits traversent le bâtiment sur plusieurs étages et diffusent cette lumière zénithale. Ils permettent un ressenti visuel et auditif des conditions atmosphériques et atténuent donc la frontière entre intérieur et extérieur. En contrebas se situent les rues intérieures. Ces passages sont accessibles à tous et deviennent dès lors des lieux de rencontres animées. En marchant à travers les espaces communicants, en appréciant l'enfilade des vues en diagonale, ou en se penchant sur les espaces ouverts, il se dégage un fort sentiment d'appartenance à l'espace total. La réussite fondamentale du bâtiment est d'avoir su combiner l'espace communautaire avec la suggestion d'îlots semi-privatifs. L'inachèvement volontaire du bâtiment, l'emploi des matériaux bruts, la grisaille du béton sont autant de raisons qui stimulent la personnalisation des lieux par les utilisateurs. À partir d'un environnement identique, il est permis à chacun d'exprimer sa différence. Lampe de bureau, cadre de photo, tout devient prétexte à décorer son coin personnel. Herzberger utilisera même la métaphore de la maison. Les gens ne seront plus les simples utilisateurs des lieux, mais ils en deviendront ses habitants. La verdure est également présente dans tout l'immeuble. Les employés secondent, avec enthousiasme, les personnes chargées de leur entretien. La végétation prend de nombreuses formes, de la plus petite plante en pot jusqu'aux arbres de la toiture terrasse. Si à l'intérieur, la répétition des cellules n'est que vaguement perçue, à l'extérieur, on est parfaitement conscient de la façon purement mécanique dont les modules sont assemblés. Les articulations mouvementées de la surface du bâtiment empêchent toute frontalité et semblent interdire toute possibilité d'entrée. Cette ambiguïté initiale a disparu, puisqu'aujourd'hui, l'entrée principale se fait par le nouvel immeuble. Idéalement, l'implantation du bâtiment aurait nécessité un environnement dégagé pour en apprécier l'allure, mais la situation entre une importante avenue et une voie ferrée fut préférée pour des raisons économiques. Le sentiment d'étouffement est renforcé par la construction du nouveau bâtiment annexé au quartier Est. Par sa hauteur et sa proximité, il écrase le central Beuhir et crée une zone en contrebas, ressemblant à un espace de livraison. Le contraste entre intérieur et extérieur
peut s'expliquer par le fait qu'Herzberger ait tendance à considérer l'architecture comme la simple démonstration de principes internes. Il semble avoir hésité entre favoriser le confort et les libertés individuelles, privilégier un certain type d'esthétisme. Centralbauer est comme un objet d'art, dépouillé de tout artifice, brut et mystérieux à la fois. Pour en comprendre l'âme, il faut absolument y pénétrer. Alors, tout son humanisme et son originalité se révèlent au spectateur. Espérons qu'il puisse encore servir de modèle aux générations futures, à l'heure où la tendance actuelle est au bureau paysager et au télétravail.